ערב טוב. Nous allons parler, Bézrat Hachem, cette semaine parler de matin de Torah. Ayoum Le Israël. C'est quelque chose de nouveau. En Israël, ce n'est pas les premiers croyants qu'il y a dans le monde. Avraham Avinu était croyant. Mais avant Avraham, il y avait d'autres croyants. Il y avait Hanor, il y avait Mathusalem, il y avait Shem, il y avait Ever. Mais des yeshivas, c'est des écoles. Avant Matan Torah, il y a Job, mon cher Abbé nous raconte l'histoire de Job, c'était un homme pieux, pas un hébraïque, pas un. Et Bilam, anti-juif, mais pieux. Je ne rentre pas dans les histoires des Midrashim, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie personnelle, mais c'est un pieux. Il y a Avimelech, il rencontre Abraham, il dit je crains Hachem. Il y a Hachem qui parle avec Avimelech. Il y a beaucoup de monothéistes à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Il y a des monothéistes. Pas des gens païens. Dans le monde, déjà, ça se renforce l'idée du monothéisme d'Abraham Avinu, un seul Dieu. Qu'est-ce qui manquait à Hachem? Qu'il a choisi à Israël. Ce qui manquait à Hachem, ce qui manquait dans le monde, c'est une relation de couple avec Hachem. Quand on aime quelqu'un, on est amis, très bons amis, on est prêt de faire beaucoup de choses pour lui. Mais pas tout. Un homme peut être anti-fumeur. Et son meilleur ami est fumeur. Un homme peut être végétalien et son meilleur ami peut être carnivore. Ça existe. Alors, comment tu traduis l'amitié? Quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenant, ça dépend quel est le niveau de l'amitié. Il y a un ami, ton amitié avec lui se traduit, tu le vois à la synagogue, et Shabbat, vous prenez l'apéro ensemble. Il y a un ami, tu peux t'appeler à 3 heures du matin. Il y a un ami, tu peux voyager pour lui, traverser un océan. Il y a des niveaux d'amitié. Ça reste de l'amitié. Après, on passe à d'autres niveaux. Ce n'est pas lié à l'amitié. Une vie de couple. La vie de couple, ce n'est pas de l'amitié. C'est là où se trompent quasiment 80% des hommes. Quand un des conjoints dit à l'autre, c'est pas gentil. C'est pas un gentil mari, dit. Tu n'es pas une gentille femme. Il dit, c'est bizarre, c'est que toi qui le dis. Moi, j'ai une liste d'amis qui peuvent témoigner ma gentillesse, mon dévouement. J'avais des amis depuis très jeune. Jamais quelqu'un m'a dit ce que tu es en train de faire. Donc le problème n'est pas chez moi. Le problème est chez toi. Moi, je n'ai jamais eu de problème. C'est vrai, t'as pas eu de problème autant qu'ami. Mais une femme, c'est pas une amie. Un mari, c'est pas un ami. C'est un mari. On se marie, on se prive de beaucoup de choses pour notre conjoint. Mais associé,
J'ai l'habitude de pas ranger, mendier, faire ce que je veux dans ma maison. Ben, quand je me marie, c'est pareil. Il y a un autre qui vit avec moi. Quand je suis pas marié, je sors et je rentre quand je veux. J'avertis personne. Et quand je suis marié, c'est autre chose. Quand je suis marié, je suis engagé aussi à nourrir l'autre. Ça, c'est d'un côté un des conjoints de l'autre. L'autre conjoint prépare à manger, s'occupe de la maison, s'occupe des enfants. C'est être associé. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Puis même dans notre vie personnelle, même quand on est dehors, on n'est plus les mêmes. Le fait qu'on est marié, ça nous change. Kadosh Baruch Hu voulait créer pas un peuple croyant, ami d'Hachem, collaborateur, compatriote, membre du club. Non. Il a voulu créer comme une relation de couple avec Am Israël. Que ça fusionne et que ça devient une seule unité. C'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Kutchabrihu. Kadosh Baruch. Oraita, la Torah. Et Israël, Am Israël, Chadou. Une seule entité. C'est une unité qui comprend les trois. C'est le destin, c'est le plus haut niveau du couple, c'est Ve'ayu le basar echad, qui deviennent un. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de devenir un pour exprimer cette union et montrer à quel point nous sommes un. Il y a 613 mitzvot dans tous les domaines. Tu manges, il y a Hachem. Tu dors, il y a Hachem. Sauf, au respect, tu vas aux toilettes, Hachem. Hachem est présent dans n'importe quel point de ta vie et dans n'importe quel moment. Il est là. La question, ce n'est pas la mitzvah. C'est l'importance que Hachem a dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Va'atem ti'yuli. La mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael, ils disent Tnouim li. Quand un homme demande, quand un homme sort avec une femme, il y a des étapes. Première étape, il la rencontre, il lui fait un sourire, il lui fait un sourire. Il se parle. Il essaie de dire des phrases qui vont lui plaire. Elle essaye de l'impressionner. Ils s'assoient ensemble, beaucoup de respect, beaucoup de douceur. Et la relation continue. À un moment, il va lui demander sa main. Quand il lui demande sa main, c'est-à-dire qu'il veut l'attacher à lui. Après, il va la fiancer. La fiancée, c'est qu'il va lui demander de s'interdire à tout le monde, sauf lui. Ça, c'est Hirousim. Il va lui donner une bague. Areatme Koudé chez lui, c'est l'acte des Hirousim. Tu es interdite pour tout le monde, c'est-à-dire tu fais confiance en moi que tu n'as plus aucun autre choix sauf moi. Ça montre à quel point tu es confiante en moi. Tu veux plus te laisser l'opportunité, tu restes pas une amie avec moi comme on était jusqu'à aujourd'hui, où tu me sympathisais, mais on peut me dire, oh, on restera amis, mais sans combien. Non. Tu t'interdis à tout homme, sauf. Et bien, ça ne peut pas rester comme ça aussi. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est les nisouis, de vivre sous un toit, ensemble. C'est plus rien que je m'interdis, je m'enlève toutes les options de me marier avec autre personne. Je m'engage à faire des choses pour toi et tu t'engages à faire des choses. Ça, c'est le summum. Puis après, ça se multiplie, les engagements. Il y a les enfants qui attachent. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a un lien particulier qui se crée.
une compréhension de l'âme avec lequel, avec qui je vis, je le comprends, je vois sa neshama. Ça, c'est Matan Torah. Aseret la montagne, le mont Sinaï, Kabbalat Torah, c'est un mariage avec Hachem. Et Moshe monte en haut et amène tous les engagements du mariage, les lois que ce mariage compte. Un homme ne peut pas être un homme, ne peut pas se marier en disant à la femme, on se marie, mais je ne suis pas obligé à te nourrir. Non. Ce n'est pas un mariage. Le mariage, l'idée du mariage, c'est un engagement très profond. C'est plus je m'interdis à tout le monde, sauf pas toi. Ça, c'est que, qu'est-ce que je ne suis pas? Quand tu demandes à une femme, quand elle reçoit une bague, elle est interdite. Enfin, tant qu'il n'y a pas un acte de divorce, c'est là. Ben oui. C'est-à-dire que mademoiselle ou madame, elle va s'appeler un nom madame telle. Parce que elle a reçu une bague. Donc elle n'est pas madame telle, elle n'est pas madame telle. Ça veut dire quoi être madame? Ça, c'est le mariage. Sortir d'Égypte ne nous rend pas juifs. Sortir d'Égypte nous éloigne de l'identité égyptienne. Mais ça ne fait pas de nous des juifs. Ça ne fait pas de nous des les chéris d'Hachem. Des amis, il a fait un acte d'amitié. Matan Torah, c'est l'engagement. C'est un mariage. Il y a des obligations de notre part, des obligations de la part d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas nous considérer comme les autres, que peut-être il l'est aussi. Mais c'est pas pareil. Et même quand on n'est pas d'accord avec Hachem et on se comporte pas bien avec Hachem, hein, nous sommes la femme qui est fâchée avec son mari, mais ça ne peut pas dire qu'elle n'est pas sainte. Jamais oublié. Même quand on est fâché, tant qu'il n'y a pas de guette, tant qu'il n'y a pas d'acte de divorce, ben madame, elle s'appelle madame, elle porte le nom de famille de son mari. Am Israël, même en exil, fâché, hein, c'est un Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est le monsieur, c'est le père de lui, c'est le maître de foyer. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Que lui, il veut pas nous divorcer. Il veut pas. Il veut pas rompre le lien. Il veut pas casser le lien qu'il a avec nous. Même que nous, on était prêts de le faire. On a demandé des divorces plusieurs fois. On voulait retourner en Égypte. On a fait le veau d'or. Hachem, il a dit non. En fin de compte, non. Il a dit au début peut-être. Et mon cher Rabbeinu, lui, il a dit non. Tu diras pas non. Tu diras pas au mur en Israël. Et on a resté ensemble. Ça a pris du temps pour comprendre des choses. Beaucoup de temps. 40 ans dans le désert. Les histoires du Ham Israël. Et juste aujourd'hui, on découvre. Il y a des gens qui sont arrivés dans leur vie de couple au top après 10 ans de mariage, ils sont bien dans leur couple. Il y a des gens que ça leur prendra. Il y a des gens presque avant leur mort, ils découvrent qui c'est. C'est horrible. Et il y a des gens que après la mort du conjoint, ils disent, ah, enfin, je l'aimais. Il me manque. Il me manque. C'est horrible. Ça arrive. Kadosh Baruch Hu nous dit, moi je suis là. Moi je suis là pour vous. Ça c'est Matan Torah. Quand Hachem a donné la Torah, il s'est donné avec elle. Il a tout donné. Anochi Rashi dit, c'est l'acronyme Ana Nafshai Ketavit Yavit. Quand j'ai écrit sur les tables de la loi, les 10 commandements, je me suis gravé là-dedans.
Hachem est gravé là-dessus. Et c'est pour ça que ça ne pouvait pas être gravé sur une pierre simple. C'était une pierre qui était spirituelle. Akadosh Baruch Hu veut un mariage. Est-ce qu'on peut lui demander ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut lui donner ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut lui donner ça? La réponse, et moi, on a reçu l'étape de la loi, on a accepté la bague et les chiffres. Yam Israël a dit, il n'a assez bénichement, c'est vrai. On a eu la peur bleue. Quelques jours avant le mariage, on a flippé comme tous les mariés qui flippent avant leur mariage. Je me rappelle la peur que moi j'ai eue la veille du mariage. Pas parce que ma femme. Non, parce que j'ai eu peur. Jeune célibataire. Je marchais, je suis venu pour mettre des affaires dans l'appartement où j'allais habiter. Et c'était un petit appart. Et je marchais, j'écoutais mes pas. Et je dis, waouh, je devrais vivre avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est chez nous, on ne connaît pas. C'est un chidour, c'est quelqu'un rencontre. Ça y est, demain, après-demain, je vais me dormir, quelqu'un à côté de moi. Je m'assois avec un café, je me regarde. Un cristal m'a fait trembler. C'est difficile, c'est changer. Changer. C'est une autre vie. C'est demain, moi je ne connais pas ce qui le gêne, qu'est-ce qui ne le gêne pas, quelle blague il faut dire, est-ce que je peux rester spontané comme je suis? Non, je ne peux pas rester le même. Il y a des blagues qui se disent chez nous, entre frères. Peut-être ça ne se dit pas chez eux. Il y a des mots qu'il faut dire, peut-être. Il y a des choses qu'il faut avancer. Il y a des choses qui gênent. Comment je vais découvrir? Comment ça va se passer? J'ai pas envie, quand tu regardes, tu mets en parallèle ton mariage, tu essayes de mettre devant tes yeux d'autres couples que tu as vus exemplaires dans ta vie. Des fois, tes parents sont bien dans le couple. Alors bon, ça te... Tu es apaisé, mais des fois ils sont pas bien, donc tu as peur que ça va se passer chez toi pareil. Tu dis, mais c'est pas, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et tu te dis, est-ce que ça va venir? Est-ce que c'est moi qui vais agir comme ça? Donc, Am Israël, Kadosh Baruch Hu leur demande quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose qui n'a pas eu de précédent. Am Israël va apprendre en route, en marchant, en allant dans les pêches. Quelque part, ils vont comprendre que c'est. Il n'y a jamais eu un précédent d'un peuple avec autant de lois, autant de dévouement pour son créateur. Ça n'a jamais existé. Hachem veut créer quelque chose de nouveau. Un nouvel événement qui s'est jamais passé depuis la création. C'est pour ça qu'un Kadosh Baruch Hu avait besoin de montrer les merveilles du matin de Torah, de descendre. Avec tous les anges d'en haut, de lever la montagne, de mettre un feu, une colonne de feu qui monte jusqu'au ciel, pour parler avec les enfants d'Israël, pour les convaincre. Où ils rentrent, ils ne savent pas. Peut-être ce mari est très dur. Ben, on a vu ce qu'il dit Hachem. Elkana, des jaloux. Oh, à quel point il est jaloux. Voilà, je ne pourrais plus lire la lecture égyptienne. Je ne pourrais plus avoir la petite statue que j'avais. Je ne pourrais plus embrasser les petits symboles de Pharaon. Je ne pourrais plus manger ce que j'ai mangé. Et puis ça a des lois très compliquées. Si mon cher Rabbeinu, il naissait après Matan Torah, il est Mamzer. Son papa a épousé sa tante. Amram, le père de Moshe, a épousé Yochebed, sa tante. Amram, Ben Kadad, Ben Itzar.
Aaron a Cohen, ses enfants sont morts. S'il naissait après Matan Torah. C'est compliqué, la vie. Quand c'est Adiaga, on dit que pourquoi on mange du lait Shavuot, parce que la Torah, elle ressemble au lait. Parce que quand ils se sont mis devant la montagne, déjà, ils ont, ils leur ont fait un petit abrégé des mitzvot. Et on leur a dit, viande avec lait, il faut casser toute la vessie. Ben, ils sont rentrés chez eux pendant la fête de Shavuot, c'était une fête. Ils ne pouvaient pas cuisiner, ils ne pouvaient pas manger. Tout était taref. Il fallait de la vaisselle. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger du fromage qui est froid. Donc, cette journée, avant de faire de la vaisselle en poterie, ils ont mangé du fromage. Alors, la fête de Shavuot, on mange du fromage. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial. Non. Imaginez-vous hein, que l'angoisse. Et Am Israël dit, mais ça commence comme ça. Où ça va terminer? Il y a un demi-mitzvah. Et quelqu'un qui vendait de la marchandise, et pas cachée, qui avait de la Avodah Zara, qui fabriquait des plein de trucs. Ça rentre dans tous les domaines de la Torah. Mais l'idée, c'est de vouloir se marier avec. Est-ce que tu es prêt? Kadosh Baruch Hu nous a donné un très gros cadeau avant le mariage. Ce cadeau, il s'appelle l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, aucun mariage n'aurait abouti. Aucun. Un homme, il dort chez ses parents, il n'est pas de location, il rentre à l'heure qu'il veut. Il y a son repas qui l'attend. Il y a sa mère qui lui arrange son lit, qui lui dresse ses draps, qui trouve tous ses habits repassés. Tout d'un coup, d'un jour au lendemain, il va sortir de la maison. Il va payer une location. Il va payer un mariage, il va s'engager. Des fois, il y a des hommes qui ont divorcé et qui paient encore le crédit du mariage. Il va nourrir quelqu'un. Il va s'engager à rentrer à temps. Il va appeler 10 fois par jour. S'il n'appelle pas l'autre, c'est Eric. Il va faire ceci, faire ça. Pas évident. S'il n'y avait pas l'amour, le grand amour, l'homme, il aurait tremblé. Quand il va chercher une salle, il aurait tremblé de signer, de prendre la journée. Il aurait une peur bleue. Qu'est-ce qui lui donne courage? Il pense. Il est aveuglé par l'âme. Viens, que Hachem donne. Bah, la Tania, il dit, tout le yin nuisez-vous, qui commence par un shiker. Que l'homme, il ne voit pas. L'homme, il ne voit pas ce qui va l'empêcher à se marier, parce que Hachem, la volonté d'Hachem, c'est que oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on doit se marier. Si on n'est pas marié, on ne comprend pas c'est quoi un engagement de couple. On ne pourra jamais comprendre vraiment à quel point on est engagé pour Hachem. C'est pour ça que la Guémara nous dit dans le traité Yabamot que tout homme qui n'est pas marié, ben, il n'a pas de Torah non plus. Parce que tu sais, toi, c'est quoi Ve'ahavta et Adonai, tu sais c'est quoi l'amour? Tu as aimé une fois. Tes parents, tu es lié, c'est même plus une question si tu aimes. C'est pas écrit dans la Torah, aime ton père, aime ta mère. C'est écrit respecte ton père, crains ton père, respecte ta mère, crains ta mère. C'est pas écrit aime, normal. C'est acquis. C'est ancré en nous. Maintenant, je te dis, aime Hachem. Comment je peux ordonner quelqu'un, aime Hachem? Aimer, c'est un mot, ce qu'il donne. C'est quoi aimer? Aimer, ça veut dire comme que j'aime un plat, comme que j'aime un habit, comme que j'aime un ami, comme que j'aime voyager. C'est quoi aimer? Un homme ne peut jamais comprendre c'est quoi une relation tant qu'il n'a pas été marié. C'est profond ce que je dis. C'est pas évident. Je formule simple, mais
C'est des jours de penser sur ce que j'aime. Ça me donne quoi? Ça, c'est notre relation spéciale que Kadosh Baruch Hu nous prépare et nous demande et nous exige. Il ne se contente pas de peu. Même quand on fait les mitzvot, Hachem nous demande, on ne fait pas des mitzvot comme si tu as été chargé de toute chose. Vous savez, j'explique toujours, imaginez-vous que quelqu'un travaille dans une pizza, c'est un pizzaiolo, ou dans une cuisine d'un petit restaurant. Et il prend les bons de commande. Il y a un gars qui est au boucher, il dit, deux pizzas avec des champignons, avec des olives, c'est la simple. L'eau rapide. Est-ce qu'il s'intéresse à celui qui va manger? Il n'a même pas le temps de penser qui va manger. Sa pensée, c'est quoi? C'est une farine, de l'eau, de l'olive, du fromage, une sauce. S'il lui dit, waouh, il y a ta mère qui est arrivée pour demander une pizza. J'ai reçu une commande, c'est ta mère. Ah, il est tout ému quand il. Quand Hachem, il te demande de faire une mitzvah, hein, pense pas à la mitzvah. Des fois, ta mitzvah, c'est ajouter des olives sur la pâte. Pense que c'est Hachem qui va la manger. Pense que c'est ta mère qui va la manger. Le plus important, c'est pense qui c'est qui va en profiter. Qu'est-ce qu'on fait dans les mitzvot? La sauce na. Ça, c'est la mitzvah. C'est pas, je pense, est-ce que mes tefilines sont bien réglées? Je pense que maintenant, je fais ce que Hachem, il m'a demandé. Et c'est lui, ça va monter chez lui maintenant, cette mitzvah. C'est autre chose. C'est une autre kavana. Autre chose. Complètement. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de faire une introduction à Israël avant Matan Torah. Et il leur dit, avant les 10 commandements, il leur dit quelques phrases. Il dit à Moshe, va leur dire quelque chose. Et à Israël, il dit, on a écouté. Qu'est-ce qu'il leur dit? Atem, vous vous souvenez, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, des nuées qui vous ont porté. Vous avez vu les plaies, la sortie d'Égypte, le pain que vous recevez, vous avez amené vers moi. Ma vie est très mélange. Maintenant, Véata, Véata, qu'est-ce que je demande? Imshamoa tishmeu bekoli. Hachem ne dit pas. Ben, c'était mes mitzvotal, comme dans la paracha du Titi. Imshamatem bekoli. Vous allez faire ce que je demande, mais l'idée, c'est de faire ce que Hachem veut. Ça, c'est l'idée de mitzvot. Imshamatem bekoli. Kadosh Baruch Hu veut qu'on l'écoute. Il ne va pas nous donner des ordres. Le plaisir d'un père avec son fils, c'est que le fils écoute son père. Est-ce qu'il écoute? Il écoute le cœur. Il fait ce qui va faire plaisir à son papa. Ushmaatem bekoli. Ushmaatem et beriti. C'est l'alliance. Garder cette alliance qu'on a avec Hachem. C'est le papier le plus important, c'est la Ketouba. Il y a ici toute notre relation. Comment une femme, elle garde
La bague d'alliance. Comment un mari garde la bague d'alliance? Une bague d'alliance, on l'enlève pas. Parce que c'est vrai que l'alliance, elle est pure. L'alliance, elle a été symbolisée par la bague. La bague, c'est le souvenir de l'alliance. C'est pas la bague qui fait l'alliance. L'alliance, c'est la volonté des deux de s'allier. Mais la bague, c'est ce qui détermine. Une bague, c'est symbolique. C'est un souvenir, comment je la garde. Quand je vois, vous dites, oui, je m'arrête, Briti. Garder, avoir cette responsabilité de garder, de garder, de garder ce que Hachem veut nous donner. Il y a d'autres qui disent, je partais, mais de Briti, vraiment la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le membre où on fait la première mitzvah de notre vie pour les hommes. À 8 jours, la circoncision. Pas enfin, pourquoi? On donne tout ce qui est, qui peut être agréable pour un homme à Hachem. On donne tout ce qu'il y a en nous d'agréable tout ce qui était pour moi mon plaisir, eh ben, je m'en passe pour l'autre. Le plus grand plaisir pour une maman, c'est de voir son fils comment il mange son plat qu'elle a préparé et que ça lui fait plaisir. Elle n'a rien besoin d'autre. Elle ne va pas manger. Elle le regarde, c'est bon. Elle voit comment il est content. On n'a rien besoin de plus. Donner à Hachem ce qui est agréable, ça c'est Ushmartem et Dberiti. L'homme dans sa vie, il est entouré de plein de tentations, plein de choses. Et dans chaque chose qui se renforce, tiens, il fait plaisir à papa au ciel. Il plaît à Hachem. On peut donner à Hachem beaucoup de choses. Chesed Adonai Malé Haaretz. Tu peux faire un chesed avec Hachem, c'est plein. La terre est pleine de ça. Chaque chose, si tu fais ce que Hachem te demande, tu fais un chesed. Tu fais du bien avec un cadeau. Tu te rapproches à Hachem. Et ça, c'est l'idée de Matan Torah. Hachem avait assez d'amis, de collaborateurs, de compatriotes, de fidèle, il en avait assez dans le monde. Il voulait un mariage. Des êtres humains qui vont dire, on vit en couple avec Hachem. Ça, c'est Am Israël, c'est le seul qui a dit sur ça, quand la chair libère Hachem, c'est ce qu'il dit. Je parle de Brit, vite et mis les goulam. Parce que je parle de Brit, c'est pas Hachem, il ne nous demande pas de ici. Il nous demande de se marier avec. Quand on vit en couple, on donne à l'autre ce qui est agréable pour nous. On arrête de faire des choses qui nous plaisent beaucoup, qui nous plaisent, mais parce que ça ne convient pas à l'autre. Ben, ça, c'est un mariage. C'est ça. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas de problème. Shalom Bayit, il dit son mariage. Parce qu'il n'a pas compris que dans le mariage, tu te donnes à l'autre. C'est ça. Ça, c'est Matan Torah. C'est pour ça les deux premières mitzvot de Matan Torah. Les deux, c'est Anochi Hashem Elohecha, la présence d'Hashem qui nous rend. Lo Elohim Achrim, c'est le Icar. Ta tête, elle est collée comme moi. C'est un vrai mariage. C'est être soudé, être collé à Hashem. Lo Elohim Achrim, Elohim. Chacun, il a des Elohim. Hein. Chacun. Chacun, il a son Dieu. Le Dieu qu'on se fait, ce n'est pas obligé d'avoir
de se prosterner à un crocodile ou à un mouton ou à un âne ou à une vache en Inde. Non. C'est ta première priorité dans ta vie. Il y a un homme que quand tu lui parles de nourriture, il perd la tête. Il y a un homme que quand tu lui parles d'un plaisir de la vie, il perd sa tête. C'est ça son Dieu, ça c'est son Elohim. Hachem te dit, Lo yelira Elohim acherim al panai. Vous savez, toutes les histoires qu'il y a, que l'homme voit qui arrive dans son entre sa femme et sa femme, c'est un petit classique. C'est quoi? Elle n'ose pas te le dire, mais c'est ce qu'elle pense. Elle veut que tu lui dises qu'elle prend la place même plus que ta mère. Elle va pas te le dire. Comme... Non. Elle veut que tu comprennes ça. Elle veut que tu la défendes, elle veut être en sa position, elle veut sentir ça. Si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais comprendre. C'est quoi l'oïe? C'est quoi la jalousie d'Hachem? La jalousie d'Hachem, c'est quoi? Tu as pris ça? Ça t'a pris. Tu m'as oublié pour prendre ça? Pour prendre ce truc moche? T'as trouvé un qui est équivalent à moi? T'avais pas envie de partir, tu es parti contre ça. Ça, c'est la jalousie d'Hachem. Un mariage, une totalité, donner tout. Ça, c'est Am Israël. Aucun des peuples n'était. Ni Ishmaël, ni Esav, ni les peuples de Midian, tout. Hachem, il leur a demandé, c'était des monothéistes, c'était des gens qui appréciaient Hachem. Ishmaël, c'est pas un païen. C'est le fils d'Abraham Avinu. Hachem, il s'y n'aille pas. Mais Zarach, il s'y n'aille pas. On ferme pas. Va-t'en, il est revenu, j'ai eu parti, il a passé. Monothéiste. Je vous parle, il a dit. Vous êtes prêts? Non. Ça, non. On n'est pas prêt pour un mariage, on est prêt de montrer une grande amitié, de montrer un dévouement, de jeûner un ramadan entier, mais pas d'appartenir 365 jours par l'année, 24 heures sur 24. Non. C'est dur. Un homme a très peur de l'engagement. L'engagement, c'est très dur, l'engagement. Surtout quand l'engagement n'a pas de limite. Il y a quelque chose qu'on te dit. Tu n'as même pas le droit de signer un engagement avec une société qui est sur une durée indéterminée. Ça s'appelle l'esclavage. Ça s'appelle l'esclavage. Si tu travailles avec un travail de qualité, quand j'ai besoin dans les 24 heures, je t'appelle, tu n'as pas le droit de travailler. Celui qui te fait signer un contrat comme ça, il est écrit dans la Gemara, il a soumis un juif à l'esclavage. Peut pas. Peut pas. Même si tu es un chauffeur, il ne peut pas te dire, tu dois avoir quelques heures libres, libres à toi. Je ne peux pas te dire aujourd'hui c'est comme ça et demain c'est comme ça. Même un éveil d'Ivry, son maître n'a pas le droit de lui dire, il le voit qu'il ne fait rien du tout, il le voit assis et joueur dans son téléphone, il lui dit, c'est quoi, moi je pars maintenant, commence à travailler dans le champ jusqu'au moment où je reviens. Non, c'est indéterminé. Quand tu vas revenir, à 6h, 7h, 8h, quand? Tu peux me dire, fais-moi cette ligne, oui. Tu ne peux pas me dire, reste travailler tant que je ne suis pas là. Non, ça c'est de l'esclavage. Une seule personne à qui on se donne à 100%, sache. Ça c'est ma tante. Lo yelera. Elohim acherim al panai.
Zahor et Yom Shabbat, les Kadoshim. Rappelle-toi que je suis le maître. Tout ça, c'est pour renforcer, pour rappeler. Dans les 10 commandements, Am Israël a entendu d'Akadosh Baruch Hu deux phrases. Tout le reste n'en pas résiste. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui nous a fait, qui nous a expliqué le plus important du contrat. Le Ramban a posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé dans le Torah, il a dit, j'ai créé. Mais j'ai là, pourquoi il a parlé de... Parce qu'en Égypte, Am Israël a compris c'est quoi appartenir à quelqu'un. D'après les Sfarim HaKadoshim, sans l'Égypte, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. On n'aurait jamais compris c'est quoi une totalité d'un dévouement. Jamais. Parce que c'est qu'en Égypte que le Am Israël a compris c'est quoi se donner, appartenir à son. En Égypte, c'était forcé. Et dans le matin de Torah, c'est le Ham Israël qui a dit Naaseh Venishma, sans que personne force. On va être dévoué. On va donner à Hachem tout ce qui est agréable. On va vivre avec Hachem. Ça, c'est matin. Chaque année, dans ce paracha, il faut se poser cette question. Est-ce que je suis prêt à vivre avec Hachem en couple? C'est une question, hein? Est-ce que je suis prêt? C'est pas facile. Il faut être prêt à vivre avec Hachem. Sa présence, elle demande beaucoup d'efforts. On ne peut pas dire. Je vis comme je vis. Et il faut attraper le plus proche, Hachem. Plus tu attrapes Hachem, plus tu vas droit dans tout. Comme j'ai dit, Shabbat, le rabbi de Lubavitch, il y a quelqu'un qui est un étudiant qui est venu chez lui, qui a dit, Rabbi, pourquoi j'ai besoin d'être un juif intégré dans la Torah, dans les mitzvot, introduit? Je peux être là, venir à la synagogue quelques fois par an pour la lecture de la Megillah, je ne sais pas, pour qui pour. Je peux en tous les jours, tous les jours. Alors le rabbi lui a donné un stylo, lui a donné une feuille blanche, lui a dit, fais-moi un dé, dessine-moi un rond. Et il a fait un rond. Le rabbi a pris la règle, il a commencé à mesurer le diamètre. Il n'est pas exact, il est ovale. Il n'est pas beau ton rond. Alors il refait et il refait. Chaque fois, il prend une bosse, voilà. Ça bouge, c'est pas exact. J'arrive. Pas. Et là, le rabbi a fait sortir un pas de sa poche. Et l'ami a dit, maintenant, maintenant, fais-moi fais un rond. Et hop. Quand il attrape, le compas, il pince la feuille. Il bloque, il fait un trou au milieu. Il bouge pas. Eh ben, toute ta vie, elle est exacte. Plus tu attrapes Hachem, ta vie est correcte. Et on est obligé d'attraper. On est obligé, parce que sans Hachem, on est perdu tant. Sans Hachem, le monde aurait continué. Sans aucun contrat. Il n'y a pas d'engagement d'Hachem vers l'être humain, et l'être humain vers Hachem. Nous sommes les seuls du monde, les seuls, le seul. Il tient un engagement. Les autres, ils ont compris qu'il y a Dieu. Ils font des choses. Des fois, oui, des fois, ils ne peuvent pas. Des fois, ils sont énervés.
D'où c'est le contrat? Dans le Kriyat Shema, vous faites la volonté d'Hachem, vous allez recevoir la bracha, il y a la pluie. Vous n'allez pas faire la volonté d'Hachem, le ciel donne plus de pluie. Vous allez disparaître de votre terre. Le 7 octobre, j'avais peur qu'on va disparaître. Peut-être Hachem a résilié le contrat. Non, il n'y a pas résilié. 2000 ans, on n'était pas là. On croyait que tout le monde a cru. C'est comme ça. Les chrétiens, ils ont dit ça. Eh ben non, on est retourné. C'est magnifique. C'est-à-dire que le contrat, il est tellement costaud que 2000 ans ne peuvent pas le casser. Tellement c'est fort, la promesse d'Hachem, que 2000 ans, une Shoah, on ne peut pas le casser. Dans les moments où on pensait plus que toujours que Am Israël s'est terminé, dans ces moments-là, il y a eu un début de délivrance pour le Am Israël. Jamais oublié. Mais jamais oublié. On s'est marié avec. Ça, c'est l'histoire du Matan Torah. Mariage. Être prêt. Accepter. Accepter la bague d'Akadosh Baruch Hu ce Shabbat. Lui donner le doigt pour qu'il mette la bague. Quand la femme, elle prend la main, elle donne le doigt, elle dit à son mari, je suis prêt que tu m'entoures, je suis prêt que tu me couvres, je suis prêt que tu être avec toi. Ça y est, on va vivre ensemble. Ça, c'est ce que Hachem nous demande. Ça, c'est le hiver de toi. C'est déjà pour donner ça. Mais ça, c'est le plus important. Reprendre, redonner de l'importance. Redonner de l'importance à la bague d'alliance. Redonner de l'importance à cet acte de mariage qui a été fait il y a 3300 ans. Le renouveler, reparler. Ça, c'est Matan. Ça, c'est Matan Torah qu'on peut le revivre tous les jours de nous. Du moment où on a compris dans cette idée, on se comporte comme le couple d'Hachem. On fait les mitzvot pour dire à l'autre, je t'aime, je fais ce qui te plaît, je vis. C'est ce qu'Hachem veut. Tout, si on a compris ça, on a tout compris. Si on a tout compris ça, toutes les mitzvot, c'est des détails qui nous embêtent. Ouais, il faut faire ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Mais tout ça, pourquoi ça t'embête? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc tu peux rien comprendre. Ça te... C'est difficile, mais quand tu aimes quelque chose, tu n'oublies pas. Ça se réveille chez nous, Bezrat Hashem. Bénisquer et faire un bon mariage avec Hashem. Un mariage réussi. Un mariage. Pas un mariage où on est séparés, chacun vit dans sa chambre. Non. Un mariage d'un Khatan Kala qui se donne la main, qui se regarde dans les yeux. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est tous les prophètes, ils n'ont parlé que de ça. Du remariage avec Hachem. La Géoula, Mashiach, c'est la grande fête, c'est la fiesta. C'est la grande fête avec Hachem. C'est cette rencontre extraordinaire où l'âme Israël regarde tous amoureux avec les yeux qui brillent. Inel, voilà, qui vit nous l'eau. On a entendu. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est la grande danse du mariage. Célébrer le grand mariage. Et on doit se préparer à ça. Être prêt, prêt dans notre neshama, vivre avec Hachem, que ça coûte, que ça coûte. Ce n'est pas un jeu parce que je ne suis pas un menteur. Alors si je veux vivre avec Hachem, je ne mange pas. C'est vrai. Ouais, mais tu as un mariage avec Hachem. Ce n'est pas un mariage avec n'importe qui. C'est un mariage avec le maître de l'univers. Le plus grand des plus grands, le plus fort des plus forts. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est ce qu'Am Israël ont vu pendant Matan Torah. La montagne qui s'est levée, ça fait une choupa sur eux. Une choupa. Et Moshe qui descend pour nous montrer.
Parce que on connaissait pas tout encore. Mais on s'est dit, on rentre là-dedans. Une jeune mariée, elle connaît pas tout le caractère de son mari, mais quand elle est, il lui donne la bague, il lui dit arrête mes coups d'échelle. Elle est tellement amoureuse, elle est tellement patiente qu'elle reçoit avec joie. Il y avait des gens dans le Ham Israël qui ne l'ont pas reçu avec joie. Et quand il y a eu l'histoire de Mordechai et Esther, ils se sont dit ben, on va résilier le contrat. Le premier temple a été détruit. Et à l'époque de Esther, Pourim, tout le Ham Israël a repris d'une bonne volonté. Des Simcha, ils ont Iblou Amiratson, il y a des gens qui voient un mariage, il y a des gens qui se marient pour s'en débarrasser de la maison. Moi, je connais des filles, on dit, on s'est mariés parce qu'on avait un papa très dur à la maison. Alors, on voulait se partir. Le premier homme que j'ai trouvé qui avait l'air plus ou moins sympa, j'ai dit oui. Je voulais plus. Je préférais un homme que ma mère sur ma tête. Non. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'est marié parce qu'il a vu qu'il avait de l'argent, Alors, c'est pas parce qu'il a aimé. Il avait de l'argent. Alors, la réponse est, mais après un moment, il a perdu son argent. Alors, il n'y a plus de raison de rester ensemble. Et rien d'autre parce qu'il était beau. Après, c'est devenu un bobo. Et chacun a ses histoires. Et là, nous, avec Hachem, c'était une vraie histoire d'amour. Et Hachem veut qu'on recite. Arrête de raconter des histoires. Je veux retrouver avec toi une complicité. Je veux avoir une belle vie de couple. C'est toujours aux gens. Quand les gens me racontent des histoires, il est comme ça, non, je n'ai pas envie de divorcer. Alors, qu'est-ce que tu viens m'embêter avec? Non, je veux. Je regarde. Très simple. C'est-à-dire que tu es condamné d'après toi. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai des enfants, je ne peux pas, c'est difficile, j'ai honte, je n'ai pas d'argent pour assumer le divorce. Alors maintenant, comment tu veux vivre? Tu veux vivre toute ta vie en dispute et des histoires tout le temps? Tu veux bien vivre ta vie et ça va te demander de faire un travail sur toi-même. Tu préfères quoi? Rentrer tous les jours, et tous les jours se disputer, et tous les jours tu rentres à la maison. Décide ce que tu veux. On est essayé, on est avec Hachem. Il y a eu la bague, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Un juif peut aller où il peut dans le ça va le poursuivre. Un juif va se déguiser. Il va aller habiter dans le monde perdu en Europe. Et quand il sera déjà là-bas après quelques années, un soir, il va se balader dans la rue et puis il va entendre derrière lui sa juif. Ah, c'est quoi ça? Je me suis sauvé, ça me suit. Bah oui. Maintenant, quelle relation tu veux avoir avec Hachem? Une bonne relation de couple. Où on t'aime, où on te respecte. Où quand tu es dans ta maison, tu es joyeux, tu es heureux. Tu es émerveillé, tu vis une belle vie de couple. Tu as un plaisir de t'asseoir. Où tu vas avoir une relation. Que quand tu passes une porte, tu rates le temps. C'est ça, c'est comme ça que tu vas vivre ta vie. C'est comme ça que tu pourras vivre jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas dommage? Pour être riche, oh. Vivre dans un modèle tordu comme ça. Et ça, c'est le moussard de toutes les vies. La Torah. Alors, choisissons la bonne route, choisissons des bonnes choses. Être collé à Kadosh Baruch Hu. Faire ce qu'il veut. L'aimer. Sentir son amour. Vivre bien. Ça, c'est Matan Torah. Disque, les Matan Torah. Et Emet. Amen.